Good morgen, allez, Iden et Lechus, aujourd'hui, le Nishmat Chayester, Bat Myriam, Charlie, Shalom, Bat Benjamin, Sarah, ainsi que l'Urfat, le Visra, le Shemon, Ben Chayester, Khamchat Myriam, Bat Ruzlena, Bilmin, Ben Chibiba, et Tor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous avons Maseret Rouvin, Perek He, Mishnah Vav, Ir, Shel Yachid, Vena Asit, Shel Rabim, Me Arvin et Kula, Ve Shel Rabim, Vena Asit, Shel Yachid, En Me Arvin et Kula, Ela Imken Asachut Salah, Ke Ir Hadasha, Sheb Yuda, Cheyeshba, Khamishim Diorim, Divre Rabbi Yuda, Rabbi Shimon Omer, Shalosh Hatserot, Shel Shnei Batim. Mishnah en soi-même relativement simple, à condition de bien comprendre malgré toutes les petites conditions qui sont requises. La grosse difficulté de cette Mishnah, c'est comment qu'est-ce qu'elle fait ici. Pour un court rappel d'abord, il y a plein de sujets dans les Rouvines. C'est vrai que c'est Maserhet et Rouvines, mais si vous avez fait attention. La première partie de la Maseret s'occupait de définir les lieux avec les mechitzot, qu'est-ce qu'on considère comme des murs ou qu'est-ce qu'on ne considère pas comme des murs. Après, on a commencé à parler des rouvées troumine, comment, avec l'histoire de sortir en dehors de la ville, on est encore en plein dedans, on n'a pas encore fini le sujet. La prochaine Mishnah, on va encore une fois revenir dessus. Et après, depuis le prochain chapitre, on va commencer à parler des rouvées chatzerot, un tout autre thème qu'on a rapidement évoqué, mais pas des masses. Et Chitoufé mes votes, ça va ensemble, on expliquera après plus dans les détails. Le problème, c'est qu'on a une Mishnah qui n'a aucun rapport avec les Rouvé Troumine, qui est plus, appartient plus à la suite au Perek Vav, Perek Zayin, et on l'a casé ici. Ça fait l'objet d'une question soulevée en bas par le Tosot Radashim, par le Tiferet Israël. On touchera un court mot pourquoi c'est entré dedans. D'accord? Donc en fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous redonner qu'on va avoir un petit hors-sujet, on va arrêter le sujet des Rouvé Troumine. Pour le moment, on le reprendra juste après. Eruv Troumin, c'est l'histoire de sortir en dehors de la ville. Et maintenant, on va parler des Eruvei Chatzerot et Chitoufei Mevoot. On ne va pas entrer dans les nuances, plutôt on va parler de Chitoufei Mevoot. C'est le même principe, quasiment. Concrètement, les impasses, comment faire qu'on puisse porter dans une impasse? C'est-à-dire, de manière générale, selon la Torah, il y a des choses qui sont définies comme un Reshut Hayachid, le domaine privé, et le domaine public. Rahamim ont décrété toute une sorte d'interdit d'abord, ça date de Shlomo Amaler, comme on avait expliqué, de ne pas sortir du Reshut Hayachid à une cour ou à une impasse qui est partagée par plusieurs copropriétaires. Parce que c'est un semblant de Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Même si concrètement tout est défini comme Reshut Hayachid, selon la Torah, dans votre immeuble, vous pouvez porter comme vous voulez. Rami vous ont dit non. Ta maison chez toi, c'est bien, c'est un domaine très privé, la cage d'escalier, c'est un domaine qui est déjà partagé avec d'autres personnes, ça ressemble au Reshut Arabim, on ne peut pas porter dedans, sauf si tu vas faire un Eruv Chatzerot, Chitoufé Mevoot, il y a des petites nuances, c'est le même principe, c'est de faire que tout devienne, au lieu qu'on soit chacun chez soi avec une partie commune, on est devenu une grande partie partagée entre tous les habitants de l'immeuble ou de l'impasse. C'est le principe général du Eruv. Maintenant, notre Mishnah va nous apprendre une halakha très importante. Le principe est très simple, je vous le dis d'abord à l'oral, qu'on va parler d'une ville entière ou une halakha claire. En théorie, on a la possibilité de transformer toute une ville, de la rendre Reshut Hayachid, à condition qu'il n'y ait pas de vrai Reshut Arabim défini comme on va expliquer. La plupart des villes à notre époque, la plupart des villes à notre époque, elles n'ont pas de ce qu'on appelle un vrai Reshut Arabim. Elles ont que des carmélites. Et parce qu'il y a plusieurs conditions requises, notamment, il faut qu'il y ait une route large de 16 mètres, de 16 amas plutôt, et qui est, selon Rashi, 600 000 personnes qui rentrent dedans. Avec encore d'autres détails, qu'il n'y a pas de propriétaire, que je reviendrai après sur le détail. Donc, premièrement, une ville, en théorie, on peut la rendre entièrement Reshut Hayachid, à condition de faire un Eruv dedans. Dans ce décret, malgré tout, Ramim, ils ont dit, attention, je ne veux pas que tu fasses toute la ville Reshut Hayachid, parce qu'il va y avoir un problème. Un jour, on va oublier qu'en fait, ça existe le Reshut Arabim. Donc en fait, je te demande que tu fasses une chose. Tu vas faire toute la ville, mais tu vas laisser un petit quartier libre. D'accord? Un petit quartier qui va faire l'objet d'une discussion exactement. Combien d'habitants, quelle taille,
Ça va être la fin de la Mishnah, en fait, où on va découvrir une machloket sur ça, d'accord? Donc, en fait, le principe, il est très simple. Je vais t'apprendre que une ville publique, eh ben, si tu veux la faire entièrement en Hérouv, tu la feras pas entièrement, tu laisseras un petit morceau qu'il n'y a pas de Hérouv dedans. Comme ça, les gens vont se dire, bon, tout ça, c'est le Rishut HaYachid, puisqu'on a fait le Hérouv. Et cette partie-là, c'est le vrai Rishut HaRabim. Comme ça, les gens ils vont se souvenir qu'on n'a pas le droit de porter. C'est fréquent, malheureusement, puisqu'en Israël, on fait partout des Hérouv, et les gens, ils portent à tout va, d'accord, pour la plupart. Un Israélien moyen, quand il arrive en France, il a du mal à... En France, ou n'importe où. Pas un Français israélien, un Israélien qui a grandi ici, il ne comprend pas pourquoi on ne porte pas, quoi. Enfin, on a toujours l'habitude de porter à Shabbat. Il ne s'est pas posé trop de questions. On va à la synagogue, on apporte le talit, on revient avec le sidour, on apporte des petits feuillets. Les femmes sortent se promener avec les poussettes. Ils ont oublié qu'en France, on est vraiment bloqué parce qu'on n'a pas de hérouve en général. D'accord? Donc en fait, pour qu'on n'oublie pas l'interdit de porter à Shabbat, ils ont dit, tu fais toute la vie, tu laisses un petit morceau. Voilà de manière générale, à la limite, je pourrais même lire la Mishnah tout de suite à la traduire, vous allez juste pas comprendre quelques petits détails. Peut-être qu'on le fait quand même, ça vous aidera, ça nous aidera même à nous asseoir un peu plus sur un texte. Ir shel yachid venasit shel rabim. La Mishnah me dit, tu sais, alors, une ville qui était initialement à un particulier, j'explique pas pourquoi. Mais elle était initialement à un particulier, donc il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas besoin de faire un hérouve. Venasit shel rabim. Et après, elle est devenue publique. Ben la Mishnah me dit, bah, tu sais quoi, cette fois-ci, Mervin et Kula, tu pourras le faire entièrement le hérouve sur toute la ville. Par contre, le shel rabim, venasit shel yachid, si elle appartenait à un public et après elle est devenue privée, alors dans ce cas-là, en mervin et kula, tu ne pourras pas faire le hérouv sur toute la ville. Et là, imken asa chutzala ke ir chadasha shebi yuda, sauf s'il a laissé à son extérieur une ville chadasha, c'est un nom d'une ville, ça ne veut pas dire une ville nouvelle, une ville qui s'appelait la ville chadasha, qui se trouvait dans la région de Yehuda, qu'il y avait là-bas, chez Yeshba Chamishim Diorin, qu'il y avait là-bas 50 habitants. Soit la Mishnah me dit, tu sais, puisque la plus petite ville qu'on connaît, qu'on sait recenser, en fait, c'est à l'époque, lorsque les Béni Israël ont conquis Eretz Israël, il y avait la plus petite ville qu'on trouve dans le livre de Yeshua, elle s'appelait la ville Chadasha. C'était son nom. Et dans cette ville Chadasha, il y avait 50 habitants au total. Ouais, si vous comptez une famille avec un père, une mère, et trois enfants, même, disons, ça fait déjà 5, mais il y avait 10 familles, ça faisait comme ça, ça faisait une ville. Donc si tu as laissé maintenant un petit quartier avec 50 personnes, comme ce qui est la taille de la ville de Chadasha de Yehuda, et bien de la région de Judée, et bien dans ce cas-là, ça y est, tu pourras faire le hérouv sur toute la ville. Dire Rabbi Yehuda, telle est la ville de Rabbi Yehuda, tandis que Rabbi Shimon me dit, Shalosh Chatzerot, Shal Shne Batim. Il faudra laisser trois cours, au moins trois cours, qui contiennent chacune au moins deux maisons. Donc au total, 6 maisons. D'accord? C'est-à-dire trois, il faut que ce soit séparé avec les trois cours avec ces maisons. Et si on reste même, je continue même avec la halakha, c'est même pas la peine d'en faire autant. Le Barthénois conclut que le minimum imposé finalement, psak halakha, a fait le bait echad bechatzer achat, avec jour. Même si tu as juste une maison que tu exclus, une maison dans une cour, ça suffit. Et tout le reste de la ville devient permis. Voilà le principe de la Mishnah, vous l'avez plus ou moins compris. Il y a maintenant plusieurs détails à préciser pour mieux comprendre l'histoire. Et là, c'est un peu délicat comment on l'a présenté, parce qu'il y a Rashi qui prend une direction, et le Barthénois qui prend une autre direction. Et en fait, je préfère moi partir avec Rashi, c'est plus facile à expliquer. Après, je reviendrai peut-être éventuellement sur le Barthénois. Rashi, il est rapporté dans le Melechat Shlomo. Donc vous ne l'avez pas ni dans le Barthénois, ni dans le Tiferet Israël. Mais j'explique d'abord de manière générale. Une ville d'un particulier. Ça veut dire une ville qui appartenait, c'est déjà... Une ville qui appartenait à un particulier. Le Barthénois, il explique que, par exemple, moi, j'ai construit toute une cité, par exemple, et puis après, je louais les maisons, les gens les habitaient, et après, j'ai décidé de vendre toutes ces maisons. Donc, il s'avère que maintenant, ce petit village, qui était initialement personnel, privé, il est devenu ensuite public. Et quoi? Et donc, maintenant, la Michel me dit, puisqu'initialement, elle était privé, alors c'est pas grave. Donc initialement, quand tu faisais le hérouve, tu n'avais pas besoin de laisser t'étais un privé, ça avait plus un statut de khatser, de hérouve khatser, c'était comme une cour qui était, t'avais une très grande propriété, certes, puisqu'il y avait des habitants différents, il fallait quand même faire un hérouve depuis le début, mais c'était pas un hérouve de ville, c'était pas une ville, puisque c'était une ville privée.
Donc du coup, là-bas, on ne t'avait pas imposé de laisser un petit quartier. De ce fait, puisque la ville maintenant, elle est devenue. Même si la ville est devenue publique, c'est pas grave, tu restes avec le premier minhag initial, tu fais un hérouv même sur toute la ville, c'est pas grave. D'accord? Par contre, le contraire, pour le moment, j'y vais un petit peu large. Je fais une deuxième lecture, après on fera une troisième lecture encore plus précise. J'ai pas encore fait rentrer Rachid. Après, alors la Mishnah ne dit pas contre. Si c'est le contraire, c'est une ville qui était initialement publique. Et puis, doucement, doucement, le gars, il a commencé à acheter une maison après l'autre, jusqu'à qu'à la fin, tout est devenu sa propriété. Donc il a transformé maintenant ce qui était une ville en une grande cité privée, qui est certes sous-louée à d'autres personnes, il faudra faire un hérouv. Et puisqu'initialement, il fallait laisser un petit quartier, tu continues à laisser ce petit quartier, avec la marloquette, quelle est la taille du petit quartier, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, Rashi nous rapporte qu'il y a une halakha très très importante. On parle d'une ville telle qu'il n'y a pas de vrai Reshut Arabim selon la Torah. J'explique un petit peu mieux. Le Reshut Arabim selon la Torah, le vrai Reshut Arabim, il doit avoir une largeur de 16 amas. Et Rashi rapporte, c'est une discussion, et Rashi rapporte qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes qu'elle soit fréquentée par 600 000 personnes. C'est pas le fait qu'il passe tous les jours, mais qu'il y ait 600 000 personnes qui l'utilisent assez fréquemment. Chose relativement rare dans les villes, si ce n'est sur, je ne sais pas, les grandes autoroutes ou. Il y a plusieurs conditions, il faut que ce soit une ville et une route qui rentre dans le bout de la ville et qui ressorte en ligne droite. D'accord? Donc toutes les petites rues de quartier, c'est fini, il n'y a plus de problème de Reshut Arabim. Et même si c'est vrai, ça pourrait être fréquenté en théorie par 600 000 personnes, il n'y a pas encore. Il y a plusieurs conditions requises. Tout ce qu'on parle dans notre Mishnah maintenant, quand on a un vrai Reshut Arabim, ça n'existe pas de transformer un Reshut Arabim en Reshut Hayachid avec un hérouf. Ça n'existe pas. Il faut casser le Reshut Arabim. Pour pouvoir le faire, il faudrait lui construire des barrières en plein milieu avec une porte qui s'ouvre et qui se ferme en plein milieu. Ça, c'est un vrai Reshut Arabim. Par contre, la plupart des routes qu'on a à notre époque, ce sont plutôt des carmélites. Puisqu'il n'y a plus toutes les conditions requises, c'est des routes considérées comme un pseudo-Reshut Arabim. Kharamim est interdit de porter le nom, de se conduire avec ça comme si c'était un Reshut Arabim. Sur ce type de route, ça fonctionne de faire un hérouv. D'accord? Et maintenant, la Mishnah vient et elle me donne maintenant cette halakha en me disant, tu sais, tu pourras faire le hérouv, si c'était une ville initialement, en particulier, tu pourras faire le hérouv sur toute la ville. Et puis, si c'était une ville publique et devenue privée, tu pourras plus faire un hérouv. D'accord? Je pense que finalement, on peut même s'arrêter là. On a finalement, bon, problème, j'ai pas besoin de couper ça en Rashi, Rabbeinu et Rabbi Bartenora, j'ai tout fait rentrer un petit peu en même temps, j'ai juste rajouté l'histoire des 600 000 personnes à l'intérieur du Bartenora, ça revient plus ou moins au même. D'accord? C'était clair? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol Tuv Tzara.